Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hanan Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, ainsi que l'Irfuat Abraham Ori ben Reut Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Rayot, Perek Gimel, Mishnah Vav. Kol atadir mechavero kodem et chavero, vechol amekudash mechavero kodem et chavero. Para Mashiach ou para Eda omedim. Paramashiach kodem le paraida bechol maasav. On continue avec des règles de. Avec des comparaisons. Le but depuis maintenant la Mishnah, Dalet, He ensuite, Evav, et Zayn jusqu'à la fin du Perek, va être de comparer différents rangs entre personnes qui ont des rangs différents, de savoir qui est prioritaire, quel mitzvah incombe plus à l'un que à l'autre. D'accord ? Marquer les différences entre les différentes classes du Ham Israël. Et. On a la Mishnah qui nous dit comme ça, Kol atadir mechavero kodem et chavero. Tout celui qui est plus fréquent que son prochain, que son ami, devance son ami. C'est la fameuse règle du tadir vesheeno tadir, tadir kodem. On la connaît essentiellement en fait cette règle dans les mitzvot, d'ailleurs la source elle se trouve dans les mitzvot. Lorsqu'on a deux mitzvot à accomplir, une qui est très fréquente, et une qui est moins fréquente. Quelle mitzvah doit-on accomplir prioritairement? La Mishnah, la règle nous dit, tadir veshono tadir, la fréquente est là, celle qui n'est pas fréquente, tadir kodem, celle qui est fréquente est prioritaire, commence par l'accomplir. On est confronté à cette halakha par exemple, la grande question qui se pose tout et tout à chaque fois, savoir analyser comment trancher, est-ce qu'il faut faire par exemple lors de l'allumage de la Hanoukia par exemple, est-ce qu'on fait Arvit avant l'allumage de la Hanoukia ou pas? Ça touche à cette halakha. En réalité, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Chaque fois qu'on a une mitzvah à accomplir, on fait d'abord, la Kriat HaMegillah. On a fait d'abord Shachrit avant de lire la Megillah. Idem pour le soir, on a fait Arvit avant de lire la Megillah. Parce que la mitzvah de prière Arvit, c'est une mitzvah qu'on accomplit tous les jours. La mitzvah de la Megillah, c'est une mitzvah qu'on accomplit une fois par an. Donc de ce fait, on fait la celle qui est fréquente avant celle qui n'est pas fréquente. C'est une grande règle aussi qui se retrouve dans tous les domaines de halakha. C'est déduit ça de Pasouk dans les korbanot que l'on doit apporter. Vous savez bien qu'il y a le korban tamid, l'holocauste perpétuel, je crois, une le matin, une le soir qu'on doit apporter, une hola. Et lorsque, dans les jours de fête, on doit apporter des moussafines, des korbanes en plus. La Torah nous dit, tu apporteras ces korbanes, mille levad hola tatamid asher, mille levad hola taboker asher hola tatamid taasulat ele, par exemple, c'est dit. Alors, tu devras apporter ces corbanotes en plus que je t'ai demandé de faire en ces jours saints, en plus de la hola du matin, hein, qui est la hola perpétuelle. Le corban hola, l'holocauste perpétuel. Qu'est-ce que cette insistance est venue nous dire, en plus de la hola du matin, qui est la hola la hola perpétuelle que tu apportes tous les jours? Pourquoi la Torah a insisté en nous précisant cela, pour nous dire, c'est pour ça que je t'ai demandé de la faire le matin auparavant. Parce que, elle, tu l'as fait, étant donné que tu l'as fait tous les jours, tu commences à faire les korbanot par la olat aboker, la olat atamit. Ok? Parce que tadir, meshonot tadir, tadir kodem. Maintenant, une petite remarque. Là, je vous ai parlé de mitzvot. La Mishnah semble plus parler de personnes prioritaires. Mais concrètement, je n'ai pas vu dans les mefarshim que c'est que ça. C'est-à-dire, le but de nos Mishnah, de toutes ces Mishnayot, et d'expliquer, comme d'ailleurs ce qui va y avoir le prochain cas, vous allez le voir de nouveau, on compare des personnes. De ce fait, alors j'imagine que celui qui est plus Tadir Mechavero, on ne parle pas que de mitzvot qui se présentent, on devrait parler logiquement de personnes. Or, les commentateurs n'ont pas du tout rapporté de cas avec des personnes. En théorie, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a plus la mitzvah, je ne sais pas moi, un enfant, peu importe, quelqu'un qui accomplit constamment une mitzvah avec moi ou que j'accomplis constamment une mitzvah avec quelqu'un, et j'ai une occasion occasionnelle de faire une mitzvah avec quelqu'un d'autre, logiquement la Mishnah me dirait, tu commences par faire celle que tu as habituellement l'habitude de faire. Ça c'est ce qu'on dit, le tadir mechavero. Ok. Maintenant. Dechol amekudash mechavero kodem et chavero. Idem aussi. Celui qui est plus saint que son prochain, alors kodem et chavero, il est prioritaire sur son prochain. C'est déduit de la mitzvah, de sanctifier le Kohen Gadol, les Kohanim, de manière générale. Dans
La Torah nous a dit, Vekidashto, on a une mitzvah de distinguer les Kohanim, de les respecter. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus saints, ils sont plus proches d'Hachem que le commun du peuple. Ils ont eu la chance de servir au Beth Amikdash. La Torah m'a imposé, Vekidashto, que le Kohen Gadol, que le Kohen, on ouvre Potrim, lorsqu'on appelle à la Torah, le Shabbat, les jours de fête, les jours Chol même, on appelle à la Torah, on appelle toujours un Kohen en tout début. On accomplit en cela une mitzvah de Raita de Vekidashto, de sanctifier le Kohen, de lui donner la première, de lui donner, le laisser lui, lui donner le plus beau, le meilleur, le premier. Idem encore, il y a la mitzvah de Levarech Rishon, lorsqu'on cherche quelqu'un à qui donner le Birkat Amazon pour donner le Zimoun, il faut d'abord donner au Kohen, et encore, ainsi de suite, Velitol, Mana, Yafar Rishon, on le distingue le Kohen. D'accord? C'est celui qui est Kadosh Mechavero. La Mishnah continue en nous disant encore « Para Mashiach ou Para Eda Omdim, Para Mashiach Kodem, le Para Eda Bechol Ma'asav. » Nouvelle règle de priorité entre deux mitzvot cette fois-ci. On a au Beth Amikdash deux korbanot à apporter, qui sont deux korbanot super solennels. Un korban Khatat du Kohen Gadol, qu'on connaît très bien, c'est le Par Kohen Mashiach. Et il y a aussi le Par Helem Davar Shel Tzibur. Soit tout le Ham Israël a commis une faute à cause du Bedin, et on doit apporter le Korban national, la grande, la belle mitzvah d'apporter le Korban, que maintenant, l'expiation, l'expiatoire, pour tout le Ham Israël en même temps, avec ce par. De par ailleurs, il y a aussi le Kohen Gadol, qui a aussi lui-même commis une Avera, Beshogeg, et il doit apporter maintenant un par Kohen Mashiach. Alors on a maintenant ces deux Korbanot au Beth Amikdash. Lequel, à qui donnera-t-on la priorité? Dire, Tadir, Veno, Tadir. Un qui est plus fréquent, ils sont tous les deux pas du tout fréquents. C'est très rare que ça arrive. Alors quoi, à qui on donnait la priorité? Tout le peuple d'Israël ou le Kohen Gadol d'abord? Et bien la Mishnah m'enseigne, Paramashiach Kodem. On fera d'abord le taureau du Kohen Gadol, Kodem les Pareda, Bechol Ma'asav. On finira pour toutes les mitzvot, on finira complètement de faire le par Kohen Mashiach, et seulement après on fera le par Helem Davar Shel Tzibur, le par, le taureau, pour l'expiation de tout le Ham Israël. Pourquoi? Quel est le principe qui a généré cette fois-ci cette halakhala? La question, le principe est très simple. Corrige-toi avant de vouloir corriger les autres. Toi, maintenant, le Kohen Gadol, c'est toi qui vas porter le par, Helem Davar Shel Tzibur. C'est toi qui vas porter le korban pour expier tout le Ham Israël. Si toi, tu as quelque chose à te reprocher, d'abord, tu commences à faire ta propre expiation. Et seulement après, une fois que tu es devenu pur, alors tu commences maintenant à vouloir aider les autres. Ouais, c'est un peu le même principe que charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, corrige tes défauts, et après, essaye maintenant de vouloir aider les autres. C'est déduit ça explicitement de l'ordre dans lequel on fait les korbanot, le Kohen Gadol fait les korbanot à Yom Kippour. Vecheper ba'ado, vecheper ba'ado ved beto, vecheper ba'ado ved beto be'al kol Israël. Il fait trois vidouilles. Trois fois, il se repentit. Une première fois, pour lui-même, pour sa petite maison. Après, il se repentit pour expier les fautes de tous ses frères Kohanim. Et seulement après, il va commencer maintenant à vouloir corriger et expier les fautes du Ham Israël avec le Sahir du Ham Israël. Et de là-bas, on déduit. Donc, commence-toi par te corriger à toi. Et seulement après, tu continues par corriger les autres. Le principe est clair. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.